Il ramasse chaque jour un caillou et le planque dans sa poche. Il raconte qu'il s'en ira les planter pour que poussent des murs, fruits mûrs de la liberté. Il est persuadé qu'en cultivant des cailloux, le temps sur son lit ricoche. Il nous dit que les pierres, elles ne sont pas névrosées, que nous sommes ses remparts et repart les arroser. Mais comme les autres, il tourne en rond comme un poisson dans son bocal qui s'extasie chaque minute devant les ruines de son local. Et quand arrive l'heure de la promenade, il reste enfermé. C'est comme ça qu'il s'évadire entre le premier juste le temps de gommer du soleil et de gratter le sol pour trouver une merveille, un bout de béton qui est pas pareil, un bien unique, le seul sur terre qui le fait tenir, se dire que chaque jour est à marquer d'une pierre. Il ramasse chaque jour un caillou et le planque dans sa poche. Il raconte qu'il s'en ira les planter pour que poussent des murs, fruits mûrs de la liberté. Il est persuadé qu'en cultivant des cailloux, le temps sur son lit ricoche. Il nous dit que les pierres, elles ne sont pas névrosées, que nous sommes ses remparts et repart les arroser. On a tous oublié pourquoi il est tombé, mais on sait qu'il est resté accroché. Il s'est agrippé à la paroi, même au jour de silex quand y'a personne aux parois. Les jours de démence où on lâche prise pour chuter plus bas, s'abandonner à la brise. Dans ce cas, on se rattrape toujours à quelque chose. In extremis est brisé, on arrose des fleurs grises. Le marginal à la mine fragile ne comprend pas la justice de granit et machinal. Et pourquoi ceux qui font carrière comme par magie jouissent d'un jugement de glaise ou d'argile? Il regrette ses crimes mais pas ses idées. On finit sous une pierre par nécessité, à l'édifice des hommes avant qu'ils ne se détruisent. Il voulait apporter sa pierre et bien il l'a reprise. Il ramasse chaque jour un caillou et le planque dans sa poche. Il raconte qu'il s'en ira les planter pour que poussent des murs, fruits mûrs de la liberté. Il est persuadé qu'en cultivant des cailloux, le temps sur son lit ricoche. Il nous dit que les pierres, elles ne sont pas névrosées, que nous sommes ses remparts et repart les arroser. Tout le cynisme des gens en liberté qui ont des ghettos dans la tête et des cadenas au cœur avec des serrures sans clé et dans leur jardin secret qui laissent pousser le chien dans et les maisons barrées.